Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne du Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous êtes bien installés car derrière on est parti pour un nouveau niveau au 100%. Et oui, ça va être le niveau que j'adore un peu plus particulièrement car l'histoire, j'avais déjà adoré. Donc nous, on va partir directement dessus. Vous voyez que c'est le bon hébergement bizarre. Et on va faire ça en mode jeu libre, je n'ai aucun kit, j'ai le 100% du level hein, au niveau maître cambrioleur. J'ai trois trésors que je vais essayer de vous faire voir, mais je n'ai pas trouvé le plan de forgeron. Donc on va faire ça, on va y aller tranquillement. Donc le premier niveau, j'aurai les trois mini kits. Le deuxième niveau, j'aurai sept mini kits, un trésor à rechercher. Les trois autres, j'essaierai de vous les autres de les quatre autres, j'essaierai de vous les faire voir. Et avec le plan de forgeron, sur ce, nous on va partir, on va déjà commencer. Et j'ai envie de prendre Thor hein. Tant pis s'il faut à chaque fois revenir sur Qu'est-ce qu'il en a-t-il des culs de chêne? J'ai oublié de lire avant, hein. Désolé. La chasse est terminée. Pour chasser la lignée de cette pourriture. Il a l'air furaxeux quand même, hein. Il a l'air vachement furax. Hein? Je me trompe. Les Watts vont flairer notre odeur. Encore. J'essaie de vous dire qu'il y a autre chose là-haut. Il y a une maison, pas très loin d'ici, où nous pourrions trouver refuge. La maison de qui? D'un ami ou d'un ennemi? Oh, un peu des deux. J'avais presque raison. Ou nous tuera. Quel choix avons-nous? Aucun. Ça a l'air grand quand même, hein. Mais moi je sais déjà ce que c'est. C'est notre ami Thor. Ouais, t'as l'air furieux quand même, hein. Donc, déjà je suis qui moi? Ok. Donc, je suis Thor. Ça, c'est cool, hein. Je vais rester sur la gauche. On va un peu. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui, voilà, le premier mini-kit. Quand on récupère sur 3. Je vais rester ici, voilà. Normalement, j'ai mon deuxième qui devait arriver aussi sur le même côté gauche. Non? Il n'y a pas mon côté? Hop, hop, hop. T'es où? Ah, bah oui, là. Ça m'en fait deux. Et le troisième, et bah normalement, il est à droite. Oui, parce que j'ai déjà repéré un petit peu qu'est-ce qu'il en était de ce mini-kit. Bah non, j'avais pas fait le 100%, on dirait. Bah non, parce qu'il est en train de s'afficher. Ça a été quoi, là? Ok, alors, il est où? Il est juste ici. Voilà, regardez, hop, et pas... hop, hop, hop. Eh ben, nous allons ici à faire nos 3 mini-kits sur le premier chapitre. Nous allons voir pour avant de nous échapper, ce serait bien quand même. Hein. Il y a la furax. Vachement furax. Non? Ouvrez la porte! Oui, bah, t'inquiète, on a le temps. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, je voudrais bien savoir qui est-ce qui pourrait nous faire ceci. Hein. Non, c'est un magicien. Quoique, peut-être toi, non? Attends, il y a quelque chose là. Hé, Radagast! Vas-y, montre-moi un peu ce que tu sais faire. Radagast! Ah, bah voilà, je savais bien qu'il pouvait. Alors. Tu veux ou pas? Oh! Ah, j'allais dire. Ah bah, allez, au moins, bon, ça va, direct, moi je dis. Oui, je suis d'accord, bah non, on va aller rechercher Saruman, hein. Car c'est le seul qui peut me le faire. Malheureusement, je n'ai pas... Eh ben, que demande le peuple? Nous avons maintenant le maître cambrioleur qui a été activé. Hop, prends ça, toi. Et on va aller mettre le feu ici. Voilà. Donc ça, c'est un des trésors que,
On avait eu un petit souci par rapport au mode histoire. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, ça nous fait notre premier trésor. D'accord, ok. Ah bah, ça me prend mon premier, mon deuxième. Hop. Je vais peut-être prendre un nain parce que. Non, tu veux pas? Eh. Ok, bon. Attends, alors, pop. Ouais, toi. Bim. Est-ce que tu sais tirer dessus? Deux. Et nous avons un troisième ici. Nickel. Eh ben, seulement on fait 6 quand même. Hein. Là, j'ai plus rien normalement. Hop. J'ai plus rien. Hein. Non, je n'ai plus de flèches. Donc, on va pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin. Toujours avec. Attends, j'ai un trésor ici. Ah bah, le blanc, mon trésor qui me manquait. Par contre, il me faut un elfe. Hein. Un elfe. J'ai pas d'elfe. J'ai pas d'elfe. Alors, on va aller rechercher un elfe. Hein. Hop. Non, bien sûr, il me faut un elfe avec un arc, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Voilà. Alors, hop. Et hop. Non, mais tu peux viser le deuxième? Nickel. Allez, c'est parti. Et boum boum. Non, mais monte. Monte. Voilà. Et on va le prendre, ça nous fera notre quatrième trésor. Et je vais essayer de voir pour les emplacements où qu'ils étaient. Ah oui, les fameuses abeilles qui nous planquent la clé. Malheureusement, elles nous l'avaient bien planqué. Alors là, on va déjà tout détruire. Car j'ai un mini-kit juste en hauteur là. Alors, on casse tout. Et on voit après par la suite. Hein. Ouais, bon. Bon, à la rigueur, vas-y, va-t'en, c'est pas grave. Ça nous laissera plus de chemin. Ah, quoi, attends. Voilà. Alors, par ici. Ok. C'est quoi, ça? Attends, t'es où, mon copain? Voilà, hop. Tu peux le mettre? Non? Non, bah... Ah, allez, on va prendre le trésor. Non, le trésor, j'ai dit! Le trésor. Voilà. Voilà, et maintenant, tu peux me le construire. Nickel. Hop. C'est toi, non? Alors? Allez. Allez, hop. Ah, j'ai eu peur. Je pensais qu'il voulait jamais le faire. Sérieux. Et qu'est-ce qu'on a? Attends, j'ai bien... Comment je fais, moi, pour avoir mon kit ici? Attends. J'ai bien un souci, quelque part, là. Ah, j'ai quelque chose qui bouge. Voilà, je vais pas tout détruire les feuilles, je crois. Bim. Et bah voilà, ça nous fait notre 7e mini kit, mes amis. Ça, c'est cool. Et on va aller voir un peu ce qu'on a construit par ici. Alors, nous avons un. Voilà, ok. Donc, ce que je pensais. J'en ai un deuxième ici. Ah, attendez. Je sélectionne, hein. Je fais d'abord mes ours, mais j'ai vu que on pouvait détruire un petit peu une partie par ici. J'ai... Il est où, pour l'autre? Copain? Ah, t'es là. J'ai eu peur, je pensais que mon mini-kit, il voulait se barrer. Ça m'en fait mon 8e. Ah oui, bah voilà, trésor ici. Hop, attendez, hop, est-ce que j'ai... Ouais, toi, voilà. Pour... la tête avec la poule, je l'avais trouvé ici. Nous avons. Attends. Si je fais ça, il me faut un nain. Un nain. T'auras, voilà. Non, pas ça. Pas ça, arrête. Je veux. Hop, changer et je vais prendre Taurin. Voilà, hop. Allez, hop, on y va. Est-ce que tu peux me casser tout ça? Est-ce que c'est. Par exemple, tu peux me le faire, hein. Carré. Non mais je veux juste que tu casses tout. Carré. Ah bah voilà. Je sais pas pourquoi le jeu me mettait sélectionner ceci. Bon, on se quitte. Et normalement j'avais un trésor ici. Voilà. Et le quatrième trésor que je vous ai fait. Bah. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'il me faut quelqu'un qui creuse. 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 Qui est-ce qui pourrait nous creuser à part bah. Toi, malheureusement, le jeu n'est pas très favorable, mais à moi quand même. Hein. Le 9e et le 10e, il est ici. Alors,
Ok, bon, ça se casse pas à côté. Ah, petite... il est où, copain, avec... bah normalement, il devrait pas être loin. Hein. Ah, voilà. Carré. Voilà, de une... On va faire de deux, et on va faire de trois. De trois, j'ai dit. Voilà. Est-ce que... Ah, voilà. Eh ben, ça nous fait notre 10e mini-kit. Les 4 trésors, ils sont faits, mes amis. Eh ben, nous, on va se balader un petit peu avec l'abeille. Est-ce qu'elle peut voler? Voler, non? Voler? Non, elle peut pas. Bah, mes amis, nous, ce qu'on va faire, quitter et sauvegarder. Oui, là. Et on va voir un peu tout ce qu'on a gagné. Ah oui. Le 100% en façon vraie était fait normalement. Si je me trompe pas, ou sinon... Normalement, oui. Je crois que je l'ai fait. J'ai entendu. Mais c'est une autre bonne. Voilà. Le trésor qui me manquait, mais bon, je ferai voir les normes d'histoire. Hein. Nous avons la tête et tout ça, je vous ai fait partout. Le plan du forgeron déverrouillé qui est multi-arc en mitril. Oh, ça me plaît. Qu'on va aller voir après derrière pour le forger. Hein. Je vais pas rester après. Hein. Le multi-arc qui va me proposer, à mon avis, la maison. Ah non, ça doit être directement une ruche. Ah, c'est cool. Une ruche tranquille. Et ben, on va récolter maintenant nos briques en mitril. C'est cool quand même. Eh ben, 41. Eh ben, ça va nous faire 45. 43, 44. Et la 45. Et voilà. 45 briques en mitril. C'est ce qui s'appelle bien arrivé quand même. Hein. Voilà, mes amis. Après arriver au plan du forgeron, je suis resté de nuit. Car si mes souvenirs sont bons. Oui, on sait. T'inquiète. Après le plan, on va aller le construire, on va voir un peu ce que ça me propose en brique en étrier, mais je pense que ça va être de nuit si mes souvenirs sont bons. Donc on va aller la construire, cette petite avec mon marteau et mes tenailles, vous ne pouvez pas vous tromper. Allez, vas-y, on va voir un peu. Moi, je suis impatient d'aller voir ce que ça va me proposer comme brique rouge maintenant. Mollo avec le fourneau, hein. On sait, t'es pas assuré. Pas assuré. Je suis très impatient de voir un peu ce que ça me propose, cette brique en mitril avec le plan. Hop, voilà. Et voilà, c'est fait, on est tranquille, on a réussi à proposer notre brique en mitril. Je préfère ne pas vous demander ce que vous comptez faire de ça. Non, demande pas, grand, demande pas. Demande pas, ce serait très gentil de ta part, surtout. Alors, on peut sortir, voilà, on va aller voir un peu la carte maintenant. Et... ça doit... Ah bah voilà, c'est ce que je pensais, c'est juste ici, mes amis. Donc, je coupe la petite transport et on se rejoint tout de suite. On est arrivé à destination, maintenant on va aller rendre cette mission hein, qui doit être au-dessus, et si je me souviens bien, ça... on va avoir besoin... Attendez, je vais mettre... Non mais, mets-toi là. Oh, destination s'il te plaît. C'est en hauteur. Et... Au coup ça va être bio parce que bah, je pense qu'il va falloir... passer par le petit chemin qui est ici. Voilà. Donc on va y aller, hein. Mais pour ça, il va me falloir un elfe. J'aurais voulu le prendre avec... Bah toi, tu sais le faire normalement, hein. Non, pas ça. Voilà. Hop. Hop. Par ici. La monnaie carré. Non, mais tu peux viser quand même. Voilà. Par ici. Par ici. Allez, hop, tu montes, t'espérais. Nickel. Eh ben voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive tout doucement, mais sûrement, nous allons pouvoir aller voir où quelle est notre brique en nitril. Bah, notre quête pour avoir notre brique rouge, une brique en nitril. Ghost, réfléchis un peu, tu ramènes un plan de forgeron. Tu dis n'importe quoi. Voyons. Allez, c'est parti, on va aller rendre... Splendide. C'est exactement ce que je voulais. Tous les ennemis que je vais croiser vont être pris de terreur en voyant la quantité de flèches qui volent vers eux. Ma parole, il y aura plus de flèches que de brins d'herbe sur le sol. Enfin, à peu de choses près. Je vous remercie, cher voyageur. Ouais, j'aime bien ma brique rouge, mais bon, la brindille qui était sur devant le personnage, je trouvais ça un peu moyen. Eh ben, fléau de serpent. Eh ben, on va l'acheter directement. Hein. Ça va nous proposer un autre brique rouge.
en utile. Ben mes amis, malheureusement c'est déjà la fin de ce gameplay au niveau 100%. J'espère qu'il vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu avec le petit commentaire, ça me fera plaisir énormément. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifications de sortie vidéo. Mais pour l'heure et pour l'instant, moi je vais vous laisser en très bonne compagnie du prochain gameplay. Et je vous dis à ciao et à la prochaine fois. Bye.